Ça ne marche plus. Ah si, c'est bon. Alors, aujourd'hui, on découvre, moi je découvre en tout cas, Hogwarts Legacy, donc qui est le, d'après ce que j'ai lu, une partie de l'histoire de, enfin, dans le monde entre guillemets d'Harry Potter, mais avant, avant toute l'histoire d'Harry Potter. Moi, je suis pas un fan inconditionnel d'Harry Potter, donc il y a plein de trucs que je ne connais pas. Mais j'avais vu quelques images du jeu, donc j'avais envie de l'essayer. Il avait l'air très sympa, avec une histoire bien faite, puis super beau quoi. Donc on va essayer de découvrir ça. On va découvrir ça. Hein. Et puis moi j'ai fait exprès de ne pas aller voir des streams ou aller voir des vidéos du jeu. Pour ne pas me spoiler et garder la surprise. Donc j'ai vu quelques images et tout, mais je ne connais rien encore d'histoire. Alors, il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5e année au collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début, et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eleazar Fig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de première année, le banquet de début d'année et la cérémonie de répartition. Bien à vous, Wesley, c'était pas le... Il n'y en avait pas un qui s'appelait Wesley, non? Dans Harry Potter? Un des roues. Les roues, c'était pas ça le nom. Alors, on va créer notre personnage. Donc je vais pas faire une vidéo trop longue pour le premier. C'est juste histoire de tester, de voir si tout fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on va se prendre comme personnage? Allez, on va se prendre le blond, là, ça fait un peu serpentard. J'ai plus comment c'était son... Avec des taches de rousseur, ça fait comme le roux. Ça, c'est quoi, ça? Forme du visage. Ouais, on va garder celui-là, hein. Oh, on va lui mettre des petites lunettes quand même. Allez. Coiffure. Ouf. Allez, de coiffure. Coiffure féminine. On va rester sur un classique. Allez, on va lui mettre ça. Et on fout. Allez, on va lui mettre des petits grains de beauté. Ouh. Sacré cicatrice. Non, on peut lui en mettre. Il est tout jeune. On peut lui mettre de...
Ok. Pas grand chose qui change, hein. Comme des sourcils. Bon, de toute façon, on va pas s'éterniser sur le personnage, hein. C'est pas ça le. Pas ça le principal. Eh, hey, salut Lucifer. Si le roi cadeau fonctionnait, ça serait... Ouais, bah tu m'étonnes. On serait riches. On serait tous riches. Ouais, bah je découvre un peu le jeu, là. Ça fait un moment qu'il me tente. J'avais envie d'essayer. Couleur des yeux. Je suis pas... Comme je disais, hein, je suis pas un fan de... Forcément de... d'Harry Potter. Mais bah j'avais envie de quand même tester le jeu parce qu'il déjà il est beau. Et puis il y a une histoire qui est derrière et tout ça, donc bah j'avais envie de tester. C'était assez incroyable. C'était captivant. Ah ouais. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Ça va faire bizarre avec cette voix là. J'ai hâte d'aller à Préolard. Non. Oh. Allez. Allez, on se rend fou. Dans le dortoir, ben, on va le mettre dans le dortoir des sorciers. Hein. Sinon, ça va faire des histoires. Il y aura plus tard dans le dortoir des sorcières. Hein. Ah, je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien, j'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette. En tout cas, c'est vrai qu'il est beau. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rentrée. Oula. Oh Eléazar. George. Je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Ah, ça commence bien. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Eléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Qu'est-ce je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux tas de pierres. Immédiat. Hop là. Je crois que c'était lui et il m'inspire pas confiance. Elle fait un peu penser à celle d'Harry Potter, hein, non? Ou c'est moi qui... Ça doit pas être la même, je pense pas, hein, mais ça y ressemble en tout cas. Enfin, du peu dont je me souviens. Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus.
Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Il y a des bandes noires sur le côté, je ne sais pas si c'est normal. Vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrok. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus... sérieuse. Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment ? Elle m'a écrit au sujet de Ranrok avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. J'espère qu'au niveau du son, c'est bon, hein. N'hésitez pas à me dire. Avant que je ne puisse répondre, j'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eleazar. Je sais pas quel rythme je sortirai les vidéos. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer. Elle a dû vite s'en débarrasser. Si vous avez vu la selle, c'est beaucoup de... pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrok. De voiture et avion. Je ne peux pas l'ouvrir. Et la magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. Le volant, enfin, de faire le volant, tout ça, donc c'est pas... Ce symbole, quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin, comment avez-vous... Attendez. Donnez-vous. Pas peur. Bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggleweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. J'ai pour se soigner. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur, où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte-au-loin. Un porte-au-loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Faut pas regarder vers le haut? Non. Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte-au-loin. Et pourquoi. C'est bon, les touches. C'est bien ça. Les jeux de lumière sont jolis, hein. Mais où ce porte-au-loin nous a-t-il emmenés? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines... Vous pensez... Que le porte-au-loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte-au-loin à Georges sans raison. C'est vraiment joli. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison.
si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Bon. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Faites attention. Comment est-ce qu'on fait pour... Où pensez-vous que votre femme a eu le porte-loin qui nous a menés ici? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. Par contre, j'aimerais bien savoir comment faire pour marcher. De la magie ancienne. Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus avec le temps. Le château de Poudlard est issu, et pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte-au-loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Est-ce que c'est de la glace ? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Magie. Magnifique. Utilisez votre caméra pour sélectionner une cible active. Allez. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Accrochez-vous bien. Préparons. Oh, ce serait beau si vous pouviez faire ça, IRL. Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte-au-loin nous a amené ici pour de bonnes raisons. Bien fait. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Alors, on peut trouver quelque chose d'intéressant. La statue là-bas. Une carte montre notre environnement. Vous apparaissez au milieu d'une carte. C'est un peu notre objectif actuel. Observer et maintenir. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça fait un comportement. Ok. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant.
va se pousser là, hein. On va le laisser examiner. Cette statue devait sans doute vivre ici. Ok, donc ça ne nous apporte pas grand chose de plus. Si, là, il y a un passage. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin? C'est quoi, ça? Professeur Fig! Ça. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte-loin. Falloir utiliser la clé? Je ne peux y croire. Non, pas bien fait. Ah, c'est la banque des gobelins, ça, non? Y a quelqu'un? Ah, c'est ça, le banquier gobelin. Je me rappelle un peu de ça dans le... dans la série, même si j'ai pas vu tous les épisodes. Je me souviens de ça. La fameuse banque. C'est impossible! Il doit pas voir souvent du monde, lui. Un petit instant. Voyons voir ça. J'avais bien fait de pas trop me spoiler en regardant les vidéos. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Le porte-loin de votre femme? Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Ah, le fameux train. Après vous. Et gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Raccrocher, hein. De coffres à Gringotts. Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Ah ouais, c'est ça. Pardon? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres à fermer. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir.
troisième hein, par rapport au reste. Numéro du coffre. 12. Coffre 12. Et quelle journée. Bon, allez-y. Réceptacle du porte-loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Vous avez vu, vous? Nous y sommes. En avant. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va bien y avoir dans ce coffre? Une baguette? Le coffre 12. Merci pour votre aide. Il va juste y avoir un tout petit truc, à mon avis, là-dedans. Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites, est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... Ah. C'est fait. Professeur, je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio, peut-être. Révélio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez-vous. Alors, comment? Stabilisez votre baguette avec... Révélio. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Une porte. Ah, c'est un début. Progrès. Et encore ce symbole. Ou la magie. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-au-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Lumos! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves? Qu'entendez-vous par là? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Bah, il va falloir se battre ici. On n'a plus de combat encore. On va peut-être y en avoir un. Je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur, mais par terre.
j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui, monsieur, je vais bien. Ce truc-là, non ? Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue... Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Ce reflet que vous voyez doit avoir son importance. Revelio, j'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé ! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Alors... Lumos. Génère une lumière à l'extrémité de votre baguette pour moi. Continuez. Ça va se rappeler, il va falloir se rappeler toutes les touches, hein, parce que. Lumos. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, explique bien la lumière. Il va pas nous attaquer, lui, quand même. T'es où ? Professeur ? Professeur Fig ? Professeur, où êtes-vous ? Je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe ? Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. Lumos ! C'est une pièce d'or. On va prendre. Alors, il y a toute cette magie par là-bas. On peut suivre. Ah, le coffre ici. Une pièce d'or, je sais pas encore à quoi ça nous servira. On verra ça après. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. On va acheter un balai magique là, je sais plus comment c'était là, le truc 2000 là. Lumos. Revelio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos. Allez, activer statue. Ok. Protégo, stupéfaction.
Maintenez A lorsque Protego. Lors de Protego pour contre-attaquer et tourner les ennemis avec type fixe. Les ennemis étourdis subissent des dégâts en plus. Ok. Protego! Je ne vois pas arriver. Bon, ça est fait. Lumos. Je mets de la lumière. Vas-y, lumière. Il y a pas de coffre par ici. Donc j'avais même pas fait gaffe qu'à droite on avait les sorts. On passe ou on passe pas? Allez, on passe. On a un peu peur. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voilà. Comment avez-vous? Mais où sommes-nous? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça, flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Une pancine. Voyons aussi. C'est pas ce mot-là. Tout est en place. C'est plus le porte-loin est caché. Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé n'est pas impossible à suivre. Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Mais oui, on en est digne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces,
d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam et peut-être Georges sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. C'est pas qui ces deux-là, Myriam et Georges. Et vous, eh bien, peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Ça a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. Oula. J'avais raison. Ranrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. De ses têtes, lui. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Rigole pas le petit gobelin, hein. Oula. Oh bah lui, il a pas l'air de rigoler non bien. Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Mais où sommes-nous ? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La question de savoir où la cérémonie de la répartition attend. Pas loin de là, visiblement. Bien,
Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrok. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Ouais, le fameux chapeau, le choix du chapeau. Je me rappelle de ça. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Alors, est-ce qu'on choisit nous-mêmes l'école ou pas? Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Mais Weasley, les requins, c'était pas... C'était pas Weasley. Ah, oui. Vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc ? De l'audace, de la curiosité, de la loyauté, de l'ambition. Qu'est-ce qu'on va lui mettre Allez, c'est un aventurier, donc de l'audace. Un sens de l'aventure? J'aime à penser que je n'ai peur de rien. Oh, vous avez du courage, n'est-ce pas? Vous êtes téméraire. L'inconnu ne vous effraie pas. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut. Vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. La maison de l'un, c'est là pour la bravoure, l'audace et la courtoisie de ses élèves. Ouais, on va accepter ça, Gryffondor. Pas d'hésitation, Gryffondor! J'imagine que, j'espère que selon l'école qu'on choisit, il y a des voies différentes. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Et Serpentard, ça? Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain!
une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous...